pepiaru pela gogo mi vo mi no mujo. Il n'est pas mort. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Ah oh, Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort, proclamez-le. Il est vivant, il n'est pas mort. Ah oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Elle a gbé ma couolo. Ah oh, Jésus l'a gbé. Ah oh, ma couolo. Jésus-Christ Jésus-Christ est vivant. Et ce éternellement. Merci à toi, notre Dieu. Que ta parole pénètre nos cœurs ce matin. Parle-nous donc dans ta parole. Et donne-nous la bonne compréhension. Et que la parole entre dans nos cœurs. Qu'elle œuvre en nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Yesu l'agbe. Jésus est vivant. Yesu Christo l'agbe. Jésus-Christ est vivant. Et ce, éternellement. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a rien que l'ennemi puisse faire pour l'emporter jamais. Tout ce qu'il a planifié est anéanti avant même qu'il ne commence. Oh, praise the Lord. Alléluia. Avant que Satan ne commence ces choses, c'était déjà tué dans l'œuf. Car Jésus-Christ, il est le commencement, le seul. Et la fin. Personne n'est comme lui. Praise the Lord. Alléluia. Un coup, il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il ressuscita.
Il a rencontré le diable dans le séjour des morts. Et lui a retiré la clé de la mort et du séjour des morts. Et il a anéanti tout son pouvoir. Ainsi donc notre Dieu est vivant. Dieu le Seigneur soulira, n'y est ma voix. Dieu le Seigneur soulira, n'y est ma voix. Dieu le Seigneur soulira, n'y est ma voix. Aïe, n'y est ma voix. Yata, n'y est ma voix. Dieu le Seigneur soulira, n'y est ma voix. Jésus est grand, il est magnifique, spectaculaire. Dieu le Seigneur soulila. Dieu le Seigneur soulila. Dieu le Seigneur soulila. Hey, ma voix, yata, ma voix. Ma voix, yata, ma voix.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. La vie amère. Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons deux personnages. Jacob. Qui sont Jacob. Et Job. Nous n'établissons pas une comparaison entre ces deux-là. Car personne ne peut se comparer à son prochain. Mais. Nous examinons les événements qui se sont produits dans leur vie. Les choses qui se passent dans ta vie. Si tu ne te préserves pas, tu risques d'avoir une compréhension détournée de ces choses-là. Frères et sœurs, Dieu a fixé un temps où il amènera toutes choses à sa fin. Et rien ne l'arrêtera. Ainsi donc, il a envoyé ses anges. Il leur a dit, allez et parcourez le monde. Examinez tous les hommes. Dans les pays. Dans les grandes villes. Dans les petites villes. Dans les villages. Et les maisons individuelles. Allez partout. Dans la rue. Passez par là aussi. Et examinez les hommes. Tous ceux qui souffrent. Et qui soupirent. À cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand le désastre va frapper, que eux, ils ne soient pas détruits. Et prenez avec vous ma coupe de colère. Et donnez-la à boire à tout le monde dans tous les pays. Chacun la boira. Une fois bu, ils s'enivreront. Une fois enivrés, ils marcheront en titubant. Et quand les choses vont se produire dans leur vie, ils prendront que de mauvaises décisions. Ainsi, quand viendra la fin des choses, que leur vie soit anéantie. Et tous ceux qui souffrent et qui soupirent à cause de ces abominations qu'on commet dans le monde, quand eux, ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité et ils prendront de bonnes décisions et ils poseront de bons pas. Dans tout événement, ils poseront toujours de bons pas. Et quand les choses se détruiront, eux, ils seront fermes et ils tiendront ferme. Frères et sœurs. Alors l'ocytocine est sécrétée. Et il y a une certaine fenêtre qui s'ouvre dans la pensée. Et nous, ce que nous voyons là, et ce que l'âme a créé, et elle le fait passer par la fenêtre dans le magasin, et le dépose dans le magasin. Frères et sœurs, nous vivons, ces choses sont des choses qui sont très importantes. Nous qu'a créé, mais où nous voilà. Qu'est-ce que ton âme crée? Abosanya ebena. Le diable sait
Qui n'a pas été créé pour être Dieu, mais plutôt il a été créé pour être un serviteur. Mais il sait également que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Pour cette raison, l'homme peut donc créer. Et nous les créons tous les jours. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il a décidé que quand il va séduire l'homme et qu'il l'engage dans la mauvaise voie, alors ce que lui Satan veut créer, il le fera par l'homme. Et il viendra s'asseoir sur l'homme. Et il deviendra comme son Dieu. Nous c'est la première. Et c'est ce que nous voyons. Car nous allons vers l'époque de Noé. Novio, frères et sœurs, c'est une grande affaire. À ce niveau, nous voyons que en vérité, notre vie, nous sommes là. Ce que nous sommes potentiellement. La question est celle-ci. Est-ce cela que nous sommes en train de mettre en évidence? Et quand nous avions examiné David, elle avait faim. Il était en train de pleurer. Et il a invoqué l'Éternel et l'Éternel ne l'a pas exaucé. Et pourquoi? Et parce qu'il a amassé des problèmes sur sa propre tête. C'est ici que nous voyons. Que si tu couches avec quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, son âme reste en toi et ton âme à toi reste dans l'autre. Et nous avions vu David qui avait pris plusieurs femmes. Et il avait rassemblé en lui toutes les âmes de ses femmes. Et tous les enfants qui sont nés de ces unions ont aussi en partage toutes ces âmes. Et c'est pour cela que nous voyons qu'il les tire de gauche à droite. Il les tire vers la gauche. Il les tire vers l'arrière. Il les tire vers devant. Et là, nous voyons que le but pour lequel l'homme a été créé, ce qu'on a écrit dans la paume de sa main, s'il commence à le matérialiser, ces différentes âmes qu'il a en lui détruisent cela. Alors retournons à la dernière lecture faite. Mais avant d'y aller et de le lire, allons dans 2 Samuel, le chapitre 15, les versets 5 et 6. 2 Samuel chapitre 15, les 5e et 6e versets. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi
à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagna le cœur des gens d'Israël. Amen. 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 Samuel pe agbanle evelia tawi atonlea nyarle pikki atonple adelia eye wo vam ne amiade tede eumbe ya bobone la e doive asida lene eye wo gbugbu anu ne alia Absalom wo na Israel blibo si va bon droge le fialagbo eye Absalom fi Israel untu o peji. Amen. 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 Absalom. Absalom. A fille Israël n'chou wechi. Gagnant ainsi le cœur des gens d'Israël. Awu fofoa, il a fait mourir son frère Amnon. Amnon. Amasi azufia de David tefe. Celui qui devait succéder à David. Ella bena. Car Amnon d'appeler Tama Absalom be novignon. Car Amnon a couché avec sa demi-sœur Tama qui est la sœur directe d'Absalom. Nous si ma encore de Amnon mela. Ce que Dieu a mis dans Amnon a été détruit ce jour-là. Frères et sœurs, nous voyons quelque chose d'important. Absalom au dodo. Absalom a mis sur point un projet. Et dodo sur voilà il y a une bonne. Et ce projet qu'il a mis sur pied, il y a le amour petit les Israéliens bâti. C'est de gagner le cœur des enfants d'Israël. Il y a Jéhova il peut mordier. De les attirer dans sa vision. Allez ben nous sommes mis que yedo là. Afin que tout ce qu'il va planifier. Amona oui. Que cela adhère à cela. Avo etoy inyfia. Alors que son père était roi. Alors les esprits de démons se sont levés. Et ils détruisent. Nous avions dit que si c'était une autre personne, on comprendrait. Mais Absalom. Absalom. David Bévi. Le fils de David. Et au moins, il dit. Il a pris ce chemin et il est arrivé à gagner le cœur de tout Israël. Il les a tirés vers lui. Et plus tard, nous allons continuer à voir de quoi il s'agit. Nous voyons que la Bible nous a dit. Qu'on a amené devant Jésus un démoniaque. Il était aveugle. Et muet. Et nous avions vu. Que ce que Dieu a écrit sur nos vies. Notre âme le voit. Et bien nous avons crié. Et c'est ce qu'elle matérialise. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Mais comme d'autres âmes sont rentrées en toi, aussitôt, elle aveugle l'âme. Alors ton âme n'arrive plus à distinguer la chose. Et elle commence par faire autre chose. Ces choses que le diable va lui dire. Tout ce que tu vois, tu dois le dire. Car Dieu, avant de créer les cieux et la terre, il avait parlé. Il a dit que la terre paraisse. Il avait dit ainsi. Alors l'âme aussi, elle doit parler avant que la chose ne se matérialise. Mais voilà, elle a été rendue muette. Par cela, elle ne peut que dire autre chose.
Et c'est là le plan du diable. Nous avions vu qu'on amena celui-là devant Jésus. Et Jésus l'avait guéri. Là, nous avions vu que le jour où nous recevons Jésus, alors ce jour-là, tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos familles, chaque famille a des problèmes dans son sein. Tellement sans précédent. Quelle famille? Dans quelle famille les grands-pères, les pères n'ont jamais connu plusieurs femmes? Oui. Maman, les mères, les grands-mères. Oui, les mères. Et ont aussi couché avec deux ou trois ou quatre pères et partenaires. C'est pour cela que nous avions dit que personne ne doit condamner quiconque. Car nous ne nous focalisons pas sur cela. Ne perds pas ton temps à condamner. Non. Et utilise ce temps pour t'attacher sincèrement à Jésus. Par cela, la parole dit tout ça. Que le jour où tu reçois Jésus, c'est ce jour-là qu'on te retire de la condition dans laquelle tu étais né. Ta famille, on t'a retiré de là. Et et on a fait de nous des gens qui sont à Christ, à Jésus-Christ. Et Jésus a continué à nous dire, celui en qui était ce démon et qu'on a amené devant Jésus et qu'il a guéri. Ok, je te reviens vers les Matthieu, ta Vélia. Retournons dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 43. Oui. Matthieu, chapitre 12, le 43e verset. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Continue. Ok, le 44e verset. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Le 45e verset. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Mate au fait à Balin, Tawi et Vé. Mia Chlechopi, puis Blanévo et ton Vassere Blanévo à ton Léa. Que est-ce que Bob Libala de Gocho à Mela Mela? Et y da to pour Fufeo, le Jujo Dim, et y me poe o. Tete au Globena, Magbubo aide n'y a peu, si me me chovalam. Et y est-ce que vous vala, et poe ou le fouflou. Wok blo emme. Et Yewodo a chioné. Tete là, ou todi hei da chok bobo bubu, a dadre, si ou vend du wuyen tola, rekbede do ki unti, et ye esi wo yide emela, ou non afima. Et ye nenem messi afe ani non non megbeto, va vend du wubanto, nenemake wa nona nenem diti me vend du sia. Amen. 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 Non fiu, frères et sœurs. Cela fait peur. Et cette parole sortait de la bouche de Jésus. Frères et sœurs, l'esprit de démon qui possédait cet homme, et c'est Jésus lui-même qui a chassé ce démon.
Et une fois sorti, alors l'homme a retrouvé sa vue. Il a retrouvé l'usage de sa langue. Mais l'esprit n'était pas mort. Et c'est ce que nous devons comprendre. L'esprit est sorti de cet homme. Mais il n'était pas mort. Et ainsi, ne te trompe pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. L'esprit est toujours en vie. Nous sommes que à tout le wagon. Tout ce qui va sortir de ta vie. Nous si fait domaine ni tout tobi au bon. Ce que tu as hérité de la part de tes aïeux. Ce que tu as trouvé dans ta famille. Mais siam. Tout le monde. Vous. Nous les avons reçus différemment. Et ce n'est pas quoi Jésus là. Et quand tu as reçu Jésus. Nous marque bobo tout le monde. Aussitôt l'esprit est sorti de toi. Quelque bobo me Mais cet esprit n'est pas mort. Un poteau le abe. Il est toujours en vie. Car rien ne pourra le faire mourir. Jésus n'avait pas tué cet esprit impur. Car le temps de ces esprits impurs n'est pas encore arrivé pour leur destruction. Ainsi, plusieurs oublient cet aspect de la chose. Quand cet esprit impur est sorti, il y a un programme pour le cas. Et en même temps, il a mis sur pied un autre programme. Yes, le Jésus le voyait. Elle a ben ma yes, parce que Jésus est Dieu. Nous sommes que homme là. Tout ce qu'il faisait, elle Jésus le voyait. Mais celui de qui est sorti cet esprit ne voyait pas ce que faisait cet esprit. L'esprit qui est sorti de lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il s'est oublié. Elle a ben homme. Et il vivait et comme il voulait. Si tu reçois Jésus, s'il te plaît, tu as un fardeau sur toi. Alors garde fermement Jésus. Ne le laisse pas tomber. Garde-le. Car il s'agit de ta vie. L'esprit impur est parti se promener. Il cherchait d'autres esprits qui sont plus forts que lui-même. Il a dit, cela veut dire que Jésus nous fait savoir que ces esprits impurs existent de différentes catégories. Leur puissance, il y a d'autres qui sont plus puissants que d'autres. Alors celui qui est sorti, il a dit, je vais aller chercher d'autres esprits qui sont plus puissants que moi. Et quand je reviendrai posséder cet homme, qu'on ne puisse plus me chasser de là. C'est ce qu'il avait planifié. Examine un peu ta vie et vois. Les premiers jours, les premières années, quand tu as reçu Jésus, vois la joie qui était dans ta vie. Regarde ce que tu faisais, tous les pas que tu posais, la manière dont les choses réussissaient. Certaines années sont déjà passées. Et tu as constaté que tu affrontes des situations difficiles, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et pourquoi donc? Examine ta personne. Ce que Jésus a dit ici, s'est-il produit dans ta vie? Une question. Jésus n'a-t-il pas de puissance pour dire, hey, Bogbo, et esprit impur, tu ne peux plus revenir ici. Cet homme, tu ne peux plus le toucher. Dieu n'est-il pas puissant pour le faire? Est-ce qu'il l'a fait? Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait?
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Maintenant, tout. Dis-le-moi exactement. Parce que l'homme est autonome. Tout le monde. Tu es un Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois comme un Dieu. C'est pour cela que Dieu ne va pas te donner des ordres. Il ne va pas te forcer, non. Non. Parce que à ton principe là donc. Mais il mettra devant toi ses principes. Ne soyez que là. Si tu marches de cette manière, tu vas prospérer. Ne soyez que là. Si tu marches de cette manière, tu seras détruit. Maintenant. Quitte à toi de faire ton choix. C'est fini. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Jésus voyait tout. L'esprit est parti se promener. Et a trouvé d'autres esprits qui sont plus puissants que lui. Au nombre de sept. Et il est entrer en eux. Et ils sont maintenant au nombre de 8. Et ils sont revenus vers cet homme. Facilement. Et l'ont possédé facilement. Jésus-Christ a dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite affaire. Celui-là que Jésus avait guéri, celui-là qui est devenu une nouvelle créature, celui-là qui est son apparence est attrayante maintenant et a retrouvé l'usage de sa langue. Il était aveugle, mais il a recouvert sa vue. Et les membres de sa famille seront dans la joie. Et ses amis seront dans la joie. Peu de temps après, et il est devenu plus aveugle qu'avant. Sa langue est plus muette qu'avant. Frères et sœurs, nous sommes arrivés quelque part. Et nous relançons à partir de là. Allons dans 2 Pierre. Le chapitre 2. Et lisez à partir du verset 12. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du 12e verset. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Amen. Amen. Petrofe agbalen evelia taive mia le chokupi wi evelia ke amesia ole abella nya samanosito si wowo ji hena lele ple chocho le wope jojo menu lame wo gbula busunya lenya si wo menya kwa olame eye wa chon han le wope gbegbele lame eye wa amen ma vinya o frères et sœurs, ceux, il s'agit de qui? Amesio ho yesua, ceux qui ont reçu Jésus. Ceux qui ont été guéris. Ceux desquels les esprits de démons sont sortis. Ils sont libérés. Et ils évoluaient bien. Et ont commencé par réaliser leurs projets. Et tout évoluait convenablement. Et ils voyaient distinctement. Et ils parlaient clairement. Car ce que Dieu a écrit sur leur vie, ils sont en train de le matérialiser maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Mais ils se sont oubliés. Et l'esprit est parti se promener et chercher d'autres, sept autres esprits et ajouter à lui. Et ont possédé cet homme.
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La Bible dit quand ces choses leur arrivent ainsi, ils sont semblables à des brutes. L'intelligence ou la sagesse qu'ils avaient avant, ils l'ont perdue. Ils sont comme des brutes sans cervelle qui sont nés pour être prises. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses. Et détruite. Oui. Maintenant, le niveau de celui-là, il est devenu une brute ou une bête qu'on peut saisir facilement. Cela veut dire qu'il n'arrive plus à voir son identité. Il n'arrive plus à exprimer ce qu'il doit dire pour qu'il se réalise. Parce qu'il est devenu muet. Il est aveugle. Et tout s'est arrêté. Il est comme une brute sans cervelle. On le prendra n'importe quand. C'est de cette manière que celui-là alors que celui-là n'était pas des moindres. Les projets qu'il avait en lui, ce à quoi Dieu l'avait destiné n'était pas des moindres. Mais le voilà qui fait du surplace. Pourquoi est-ce que certains pays n'arrivent pas à se développer? Pourquoi est-ce que certaines maisons n'arrivent pas à se développer? Celui qui va le faire, le voilà qui est devenu comme une brute sans cervelle. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une petite chose que nous voyons. Ceci se passe dans toutes les maisons, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque village. Cela se passe partout. Jésus l'a dit. La vie amère. Parce que celui-là s'est oublié. Il s'est oublié. Frères et sœurs, Jésus lui-même a délivré cet homme de ce démon. C'est Jésus. Mais quand cet esprit revenait avec sept autres esprits, Jésus l'avait vu. Mais il n'était pas intervenu, il ne l'a pas arrêté. Il ne les a pas arrêtés. Car c'est au pouvoir de cet homme lui-même. Yes. L'homme lui-même, c'est à lui de se lever et dire non. Moi, vous ne pouvez plus me posséder parce que je ne cède plus à ces pratiques. Je ne vais plus poser ces pas. Je ne vais plus vivre de la sorte. Ils sont venus pour le séduire. Et il a posé un certain pas. Et ils l'ont possédé en même temps. Ils sont venus le séduire. Et il a bu une liqueur forte. Et ils l'ont possédé en même temps. Ils sont venus le séduire. Et il a couché avec quelqu'un. Et ils l'ont possédé immédiatement. Voilà tout. Voilà comment ça se passe. Ils vont te séduire. Et pour t'emmener à vivre d'une certaine manière. Cette vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une fois que tu le fais, c'est fini, il te possède. Il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. C'est pour cela que ceux-là sont arrivés à un certain niveau.
Il n'accepte plus les paroles qu'on enseigne dans la Bible. Il n'accepte plus. Frères et sœurs, c'est quelque chose. Ceci, c'est quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et ils périront par leur propre corruption. Le verset 13 dit, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ils ont été séduits. Et ils tirent leur plaisir et tirent des délices de la vie de tous les jours. Mais laissez-moi tranquille. Et ne peut-on pas être un peu dans la joie? Quelle joie y a-t-il dans ce monde? Quelle joie trouve-t-on dans ce monde? Alors montre-la-moi. Quelle joie! Mon frère, ma soeur, bientôt le monde viendra à sa fin. Et tous ceux qui disent qu'ils tirent du plaisir dans ce monde, ils vont sombrer dans une douleur éternelle. Et rien ne les délivrera. Et regarde le monde dans lequel nous sommes. Frères et sœurs, nous l'avions vu avant le commencement de cette année, décembre. Au 31 décembre. Nous l'avions vu. Qu'avions-nous vu? C'est qui? Le tremblement. Bim. Deux fois chaotique. Blo. Et deux fois explosif. Cela se passe-t-il ou pas? Hein? Cela se passe sans précédent. Je te l'avais dit et je crains d'ailleurs moi-même. Je crains car ce n'est pas une petite chose. Le monde entier est vacille, tremble. Qui peut le contrôler? Qui a ce pouvoir pour arrêter le déroulement de ces choses? Toi, tu viens d'où? Quand est-ce que tu es né? Et tu es né dans quelle maison? Qui es-tu, toi? Car c'est sans précédent. Continuons. Oui, à se livrer au plaisir en plein jour, homme taré et souillé. Je vais jouir un peu de la vie. Je vais me réjouir un peu. C'est une souillure. C'est une honte. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Tout ce qu'ils trouvent par leur tromperie, ils s'en délectent. Si tu travailles et le produit de ton travail ne va pas le dépenser dans n'importe quoi, mais investis-le. Investis-le dans une autre activité. Et après, tu l'investis dans une autre activité. Et diversifie. Car bientôt, ta première activité, il se peut que cela ne soit plus rentable. C'est pour cela que tu dois toujours diversifier. Si le premier n'est plus rentable, le second sera rentable. Si le second n'est pas rentable, le troisième sera rentable. Si le troisième n'est pas rentable, le quatrième sera rentable.
Voilà la sagesse de l'Éternel. Et je t'avais enseigné ici. Car Dieu m'avait amené dans une brousse. Et il m'a montré comment ça se passe. Vois-tu cette herbe? Vois-tu l'autre herbe? Comment se présente-t-elle? Je dis qu'elle est mille. Et l'autre, je dis qu'il y a de la verdure. Oui. Il a dit, voilà comment ça se présente. Certains seront brûlés en un seul moment. Et d'autres seront toujours en vie. Alors diversifier. Et je te l'avais enseigné ici. Continuons. Ayez, où tu as glo, plimi. Nkosio. Le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. S'ils sont un peu bénis, c'est fini. Ils passent par ici, c'est l'adultère, la fornication. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et nous, Et insatiable de péché. Frères et sœurs, quelque chose vient. L'année prochaine, introduction. Ceci, c'est une introduction. Ce n'est pas la véritable chose, mais c'est une introduction. Si tu es marié, tu vis en concubinage et tu n'as pas doté la femme. On l'appelle de l'adultère. Va et donne la dot avant la fin de cette année. Qu'est-ce que je dis? Fais la dot avant la fin de cette année. Et car à la fin de cette année, quelque chose va se passer. Dans le monde entier, quelque chose s'annonce. Tous ceux qui sont dans ce contexte-là, quelque chose va leur arriver. S'il te plaît. Et rien ne pourra arrêter ce qui va se passer. Et sois attentif à ceci. Dieu m'a chargé de te le dire. Va et fais la dot. Et sors de l'adultère. Tu es déjà marié. Et tu vas coucher avec une autre femme. Ou tu vas voir un autre homme. Alors, répands-toi aujourd'hui. Avant la fin de cette année. Car ce qui va venir, tu ne pourras le supporter. Bientôt, nous allons le toucher. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas encore marié. Mais tu as, disons, petite amie ou petite amie. Oui. Homme comme femme. Répands-toi. Et vite. Car l'année qui vient, tu ne pourras le supporter. Frères et sœurs, quelque chose s'annonce. Quelque chose s'annonce. Je te le montrerai bientôt. La Bible continue en disant. Et ils sont insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies.
toutes les âmes mal affermies dans la parole de Dieu, on les amorce, on les séduit et on les entraîne dans autre chose. Afin que d'autres esprits de démons qui sont plus puissants les lient. Je te dis que notre destination, c'est l'époque de Noé. Mais je ne vais pas encore parler de cela. Jésus nous l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera de notre temps. Alors ce n'est pas une petite chose qui va se passer. Ceci n'est qu'une introduction. Ils amorcent les âmes mal affermies. Va au doux qui bon. Oui, ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Une fois que la personne a ce profil, c'est fini. Il est déjà détruit. Il devient un enfant de malédiction. Il continue en disant, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. On dit qu'ils ont quitté le chemin droit. Ils se sont égarés. Et ont suivi Balaam, comme il avait fait. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Du temps de Balaam, Dieu parlait par lui. Dieu lui donnait des visions, des révélations. Par cela, quand Israël était arrivé sur la terre des Moabites, le roi Moabite Balak envoya des gens vers Balaam, lui demandant de venir maudire les enfants d'Israël. Quand il est venu, il ne faisait que les bénir. Frères et sœurs, mais avant de partir, il a montré à Balak quelque chose. Il lui a dit, ceux-là que tu vois, rien ne peut les détruire. Et l'enchantement n'a pas d'effet sur eux. La magie n'a pas d'effet sur eux. Et la divination n'a pas d'effet sur eux. Les esprits et de fantômes n'ont pas d'effet sur eux. Ni la sorcellerie. Mais séduis-les. Et pousse-les à pécher. Et tu verras ce qui va se passer. Ainsi, ils amorcent les âmes mal affermies. Allons dans Nombre. Nombre, le chapitre 25. Les deux premiers versets. Nombre, chapitre 25, les versets 1 et 2. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Amen. 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 Mosefe agbalé enelia, tabla vevo aton, niak le pipi gbanto viao. Et si Israël est si timla, du cola de assi a assi wa wom, ple moa bunyon uo, wokpe du cola va ope ma uo fe vosa nuo lupe, eye du cola dunu, eye wodeta aguna ope ma uo. Amen. 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 Est-ce que tu vois?
oublie Israël. Israël a été séduit. Bilam profite Israël. Balaam avait maudit Israël. Et toi, il en a où? Et cela s'est changé en bénédiction pour eux. Balak lui a dit, je t'ai fait venir pour les maudire afin qu'ils soient détruits. Il lui a dit, tu n'y arriveras pas. Frères et sœurs, les enfants de Dieu, l'enchantement n'a pas d'effet sur eux. La sorcellerie n'a pas d'effet sur eux. Les démons ne peuvent même pas. Pour cette raison, ils passent par un autre canal. Et comment procède-t-il? Ils viendront te séduire. Alors, nous là. Tu vas faire ce que eux aussi sont en train de faire. Balaam l'avait dit à Balak. Et ils ont séduit les enfants d'Israël. Et ils les ont invités aux cérémonies de leurs idoles. Et ils mangeaient. Et ils couchaient avec les femmes, les filles de Moab. Frères et sœurs, c'est sans précédent ce qui s'est passé. Le verset 3 dit, Israël coudait Baal Péor. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel s'est mis en colère en même temps. Parce que Israël est en train de poser de mauvais pas. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les endroits que tu fais? Qui sont tes compagnons ou compagnies? Examine ces choses en ce temps-ci. Personne ne va te forcer, non. Non. Moi, n'ai besoin que le pasteur te voie. Non. Non. Et ce sont tes propres affaires. Tout ce que tu fais, si tu transgresses la loi de Dieu, la colère de Dieu viendra chez toi. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel. En face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Il lui a dit de convoquer les juges d'Israël. Combien de juges avait-il établi? Est-ce que tu te rappelles? Non. Au nombre de 70. Les Israël. En Israël. Parmi les enfants d'Israël dans le désert. Et on les a assemblés. On leur a dit de pendre les coupables. Moïse leur a dit cela. Viens voir. Moïse dit aux juges d'Israël. Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal Péor. Oui. Alors les 70 juges ont pris leur épée. Tout ce qu'ils ont trouvé, ils sont en train de les frapper. Ils ont frappé comme 1000 personnes. Mais quand cela se passait, ce n'était pas assez pour l'Éternel. Que s'est-il passé? La peste aussi les a frappés. Frères et sœurs. Et la peste ravageait les enfants d'Israël. L'année qui vient, la peste va venir. Quiconque pratique l'adultère, et fais la dot pour ta femme avant d'entrer dans la nouvelle année. Groupe de chari que là.
tous les groupes dans lesquels nous sommes. Bien groupe. Dis-le. Et je l'avais dit aux responsables des groupes de voir tous ceux qui n'ont pas encore doté leurs femmes. De prier pour eux. Alors hâte-toi. S'il te plaît, fais vite. Ne traîne pas. Car ce qui va venir sera terrible. Alors fais la dot. Et sors de l'adultère. Non, le bon. Commence par courir. Et fais la dot. Et sors de l'adultère. Et hâte-toi de le faire. Oui, kaba. Fais-le vite. Et groupe au kata. Tous les groupes. Mais ça me connaît le groupe à homme. Celui qui est dans le groupe. Et on est dans là. Et qui on est bon là. Dans ce état là et qu'ils donnent leur nom. Mais ils sont encore d'autres. Et donnez-moi leur nom. Et moi aussi, je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux. Afin qu'ils puissent faire quoi? Afin qu'ils puissent faire la dot. C'est juste ce que je peux faire, ma contribution. Et je ne peux plus aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Car quelque chose s'annonce. Viens voir. La Bible dit. Adelia. Le verset 6 de Nombre 25. Et si vous l'avez femme, le maoufou agbadonou là. Alors, ils ont un choix de plan. Midianyon de va au Togoué. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer. Oui. Novio. Frères et sœurs. Pourquoi est-ce que les gens pleuraient? Parce que la peste faisait des ravages. S'il te frappe et subitement il meurt, s'il le frappe subitement il meurt. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse intervient. Que se passe-t-il? Pendant qu'il pleurait, Moïse même il était désemparé et les gens mouraient. Qui était en train de mourir? Tous ceux qui ont couché avec les filles de moi. Oui. Et ils cédèrent tous aux pleurs. En pleurant. Voilà un jeune homme qui a pris encore une femme. Et qui est passé devant tout le monde. Moïse était là et le voyait. L'âme coulait des yeux de Moïse. Hey, Pasteur. Pastor, pasteur, mais il y a un vieux. Ce n'est pas une petite chose. Mais j'aime les femmes. Tout le monde pleurait. Ah, oh, le pauvre Dieu, ma Yehova. Oh, éternel. Yehova, pense ici là. Aie pitié. Yehova, pense ici là. Éternel, aie pitié. Yehova, wananalo. Éternel, fait quelque chose. De kajadini ma. Et voilà un jeune homme. A pris une femme avec lui. Va tout à me chame ben kum. Et passa devant l'assemblée. Yahou. Ah bon? Maoukpaolo. Dieu t'a vu. Maoukpaolo. Quand tu as pris cette femme, Dieu t'a vu. Quand tu as pris ce homme, Dieu t'a vu. Maoukpaolo. Partout où tu passes, Dieu te voit. Maoukpaolo. Et tout ce que tu fais, Dieu te voit. L'Éternel désormais te voit. La Bible dit. Et sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Devant toute l'assemblée. Tout le monde pleurait. Lui ne s'en inquiétait pas. Il est parti prendre une femme et il passa devant. Et il se disait, mais s'ils pleurent, c'est leur propre problème. C'est leur propre problème. D'accord. La Bible dit. Pinihas, nous n'avons pas Aaron vie, Elias a fait une vie. Quoi là? Est-ce le haladom et au choc à clore assis? À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron,
se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Là où nous arrivons maintenant, que chacun prenne soin de sa personne. Et parce que l'Éternel est animé d'une certaine colère. Et pourquoi? Parce que les anges déchus sont dans le monde. Ils sont là. Certains sont dans les églises. Ils viendront chez toi. Certains sont comme des femmes. Ils ont l'aspect d'un homme. Et ils vont te dire je t'aime. Ils vont te dire je t'aime. Ah bon? Yo. D'accord. Je t'aime. Je t'aime. Allez-y. Mon frère, ma soeur. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Et quelqu'un me dit maintenant qu'il m'aime. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas accepter que moi aussi je l'aime? Ah bon? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu l'as bien examiné? Est-ce que tu as prié d'avance? Est-ce que tu l'as dit à l'Éternel? Et qu'est-ce qu'il t'a dit en retour? Je dis Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Aucun de ses frères ne s'est repenti. Car ils étaient à la merci des anges déchus. Une fois qu'ils te touchent, c'est fini. Tu es comme une brute, tu deviens comme une brute, quelqu'un qui est une brute esservelée. Parce que c'est là leur programme. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus pour le piloter. Viens voir. Le verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme. Frères et sœurs, fini. Les suivit avec sa lance. Ce qui se passe est que les gens pleurent en disant Éternel fait quelque chose. Ce jeune homme, lui, il va chercher une femme. Et il l'a amené dans sa tente. Le voilà qui dit qu'il est venu pour coucher avec elle. Aujourd'hui, je vais le lui démontrer. Et fini rentra dans la tente. L'homme était sur la femme. Et il est transperça les deux. Et les deux sont morts en même temps. Que s'est-il passé? Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Que dis-tu? Que dis-tu? Ameneni. Combien? Ameneni. Ils sont au nombre de combien? 24 000. Si on dit 24 000, est-ce que c'est un petit nombre? Devant. La plaie, la peste les a ravagés tellement. Ok. N'allons plus développer cette partie. Rien. Sais-tu? Nous allons voir quelque chose de spécial. Il est romain. Allons dans Romain. Le chapitre 16. Le verset 17. Romain chapitre 16, le 17e verset. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Oui. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Amen. 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 Roma tope agbanle tawi ade mia le pipi wi andrelia kamele nu rommi novio
bena mi ale nkude amesi wo wa mama o ple nu dadia o de nu fa fia si mi esron la nti eye mi te mi adoku da cho gbo amen 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 dans le temps le christum bien-aimé en Christ, là où nous arrivons maintenant, ainsi que ce que nous voyons, la parole dit, je vous exhorte, frère, et Paul a écrit cette lettre-là destinée aux Romains. Je vous exhorte, frère, à vous éloigner. Premièrement, il dit, apprends garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Mais laissez le pasteur Topa. Non. Laissez-le, c'est toujours la même chose. Oui, laissez-le. Ils viendront chez toi et te parleront ainsi. Alors examine bien celui-là. Si quelqu'un vient et te tient ce langage, examine-le très bien. Les divisions et les scandales. Mais cet enseignement scandalise trop. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Si tu vois quelqu'un qui tient ce langage, la Bible te demande de faire quoi? Hein? De t'éloigner. Éloigne-toi de celui-là. Ne va pas ensemble avec lui, car il te détruira. Parce que tu ne sais pas réellement qui il est. Peut-être c'est un ange déchu. Et il l'a possédé. C'est pour cela qu'il est devenu leur envoyé. Et on lui a demandé d'emmener certaines personnes. Et il veut t'emmener toi. Éloigne-toi d'eux. Ne va pas ensemble avec eux. Il continue en disant, le verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Ils disent, louons le Seigneur, alléluia. Je suis en train de te dire que le diable va devant Dieu et va s'asseoir devant Dieu face à face. Oui. Le feu ne l'a jamais embrasé. Y a-t-il un feu qui a embrasé Satan quand il est parti devant Dieu? Et la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Mais voilà Satan qui est assis devant lui. Et l'Éternel des armées lui pose des questions. As-tu vu Job? Et d'où viens-tu? De parcourir la terre. As-tu vu Job? Il a répondu, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est toi qui le protège d'un rempart. Il communiquait directement. Directement. Il n'a pas été brûlé par le feu. Il n'a pas été consumé. Et toi, tu parles d'une église. Il viendra s'asseoir sur le siège. Et le pasteur va dire alléluia. Alléluia. Et lui, il va crier très fort alléluia. Et vous allez dire, mais ce frère, cette soeur, ce n'est pas une petite chose. Mais il est très grand. Il sert bien Dieu. Alors que c'est faux. Que cela te soit bien clair. Continuons. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Mais leur propre ventre. Leur propre ventre. Ce qu'ils vont tirer. Oui, le profit. C'est toujours cela. Nyawo. Aye, ucho
nous faut nuit ple ya ira nya o bla amesio mo susu vande ke ou la pojo. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il leur prêche seulement la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Oh, praise the Lord. Et louons le Seigneur. Yao. Est-ce vrai? Examine-les bien. Et sérieusement. Frères et sœurs. Nous ces choses sont très importantes. Kakri. Mais allons dans Philippiens. Attends. Philippiens chapitre 3. Le verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Frères et sœurs. Nous sommes venus à quelque chose d'important. Paul écrivait cette lettre aux Philippiens. Il a dit, observez-moi, examinez-moi. Et soyez comme moi, prenez-moi comme modèle. Oui. Oui. Examinez ma façon de me conduire. Alors les pasteurs doivent être des modèles. Oui. Allô, Pasteur Clément, Pasteur Clément, n'est-ce pas? Hein? Oui. Alors, on doit nous voir aussi. Les gens doivent nous voir. Notre conduite, notre façon de vivre. Notre vie. Afin que eux aussi, ils nous imitent. Voilà. C'est ce que Paul est en train de dire. Examinez-nous. Et imitez-nous dans vos conduites. Et si tu examines le pasteur Topa, et qu'il vit en cachette, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux me le dire, tu peux me le dire. Donc, voyez, c'est le pasteur. C'est le pasteur même qui a cette conduite. Et quand il dit, se met sur le podium. Et il vous dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et vivez dans la sainteté. Est-ce là la sainteté dans laquelle il vit? Et il vient nous séduire ici, nous tromper. Tu as? Comment? À cause du pasteur, l'église de Dieu est blasphémée. Ce n'est pas un petit jugement qui frappera ce pasteur. S'il te plaît, est-ce que c'est clair pour toi? Voilà l'explication de tout. Car le pasteur de ce fait est en train de détruire les gens. Par sa conduite, par ses comportements, par son langage, par ses démarches, il vit d'une mauvaise manière. Ainsi, il décourage les fidèles. Les gens ne seront pas fermés à Christ. Et le jugement de l'Éternel s'abattra sur lui. Et il le détruira, il le détruira. Il l'anéantira. Écoute-moi bien. Là où nous sommes arrivés maintenant, ce n'est pas une petite chose. Il continue. Il dit, non vio, et mi l'encoude à monsieur Sona, ne m'a que la moutille. Frère, soyez mes imitateurs, frère, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Clolao. Oui, les dirigeants. Groupe Bek Clolao. Les leaders et présidents de groupe. Mais tu passes toi, Dia. Du pasteur. Ma va fika. J'arrive où? Président Oji. J'arrive au président. Tu président Oji, leader de Oji. J'arrive au leader. Abakandonyela. Comment vivez-vous? Ou abe leader. Toi comme leader. Ou abe plola. Toi comme président.
Quelle est ta conduite? Pour que les fidèles te voient. Quel modèle tire-t-il de toi? Les chantres. Les responsables. Ceux qui apprennent aux gens à chanter. Oui. Oui. Hein? Comment vivent-ils? Quels sont les pas qu'ils posent? À partir d'aujourd'hui, chacun doit changer de mentalité. Parce que tout ce que tu fais, c'est là le modèle. Les bureaux constitués, les présidents, les différents comités, les membres du comité, quelle est votre conduite? Quels sont les pas que vous posez? Et qu'est-ce que les fidèles vont voir? Et tirer modèle de toi. Et de dire que c'est vrai. Il m'a donné un exemple, un modèle. Et je vivrai de même. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis le pasteur jusqu'au président. Jusqu'au leader. Jusqu'au bureau. Partout. Non, mais cahier. Quel est votre profil? Comment vivez-vous? Mon frère, ma soeur. Me voici. Si tu me vois avoir une certaine conduite qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, viens chez moi. Et tu peux me toucher au front ainsi. Et dis-moi, pasteur Topa, réveille-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment es-tu en train de vivre cette vie? Si quelqu'un la voit, sera-t-elle un modèle pour lui? Alors tu peux me traiter de cette manière. Oui. Et moi, je me mets à ta disposition. Praise the Lord. Alléluia. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Viens voir. Et j'y viens maintenant. Continuons. Selon le modèle que vous avez en nous, nous sommes un modèle pour vous. Que nous soyons un modèle pour vous. En toutes choses, nous devons être des modèles. Dans nos démarches, dans nos comportements, dans notre langage, dans notre façon de vivre, nous serons un modèle. Le verset 18. Car il en a plusieurs qui marchent. Car que Azola, mais tu as vu Fafa le Eglombena. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Cela atteint ce niveau pour Paul, oui. Et Paul était en train de pleurer. Il dit que plusieurs marchent de la mauvaise manière. Maintenant, il pleure et il le dit. Qu'ils sont des ennemis de Christ. Ce n'est pas une petite chose. Et je vais le concasser maintenant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur joie ou leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous. D'où nous venons, nous ne venons pas de ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Et d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation
En le rendant semblable au corps, au corps de sa gloire. Le epe mousse saint si ta wanka ou tiang chou par le kata da edoki telan. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Agapo. Il est l'heure. Je l'ai concassé, je le laisse. Nous allons revenir et le reprendre. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite chose. Nous allons prier tout à l'heure. Si tu es dans un ménage ou en couple, et on n'a pas demandé ta main, prie et dis-le à Dieu. Je te prie. Et permets à ce que mon mari fasse la démarche. L'homme prie. Dieu, ouvre-moi la voie. Que j'arrive à faire la dot. Oui. C'est une grande affaire. Je ne veux pas te voir demain que tu n'es plus en vie. Je ne pourrai pas le supporter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Cela me fera tellement mal. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je ne veux pas que tu sois détruit. Si je te vois ainsi, c'est ma joie. Oui. Oui. Bon. Ma joie dans ce monde, c'est toi. Je n'ai plus d'autre joie. Je n'en ai nulle part ailleurs. Pas du tout. Pas du tout. Par cela, que je te vois toujours en bonne santé. C'est pour cela que les enfants d'Israël pleuraient. C'est pleurs. Que cela n'arrive pas à nouvelle vie. Non. Travaille à cela. Kaba. Et hâte-toi de le faire. Avant la fin de cette année. Car ce qui va arriver ne sera pas des moindres. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel fera en sorte. Que nouvelle vie soit épargnée totalement. Nouvelle vie ne fera pas partie de cela. Cela se passera et on l'entendra seulement. Mais cela n'arrivera pas ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Et ferme tes yeux, nous allons prier. Mavalo, no dodo, no no no, agbachi si lemewo, apeto nade ma, alleluia no dodo, no no no, agbachi si lemewo, apeto. Ade ma no do do lo no oh no 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 ah bachi sila ma wo oh avoto oh ade ma ano do do lo. Entre en prière maintenant. Que chacun prie. Le temps est venu maintenant.
Ce qui s'annonce est grand. Offre ma soeur, prie et dis-le à l'Éternel. Souviens-toi de ton prochain. Quand un certain temps est révolu, alors invoquons l'Éternel. Car il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Le temps est venu. Enfant de Dieu, invoquez l'Éternel. Et que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Et que la gloire descende sur toi. Et que la grâce te soit accordée. Invoque l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Oh yes, indeed, Father, the work of God be made manifest. The power of God enter into every man. In Jesus' name. Oh yes. Oh, glory to God. We are together again. Just praising the Lord. We are together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in stock. We are together again. I am just praising the Lord. We are together again. Yeah, just praising the Lord. We are together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in stock. We are together again. Together again. Just praising the Lord. Something wonderful. Something good is going to happen. Something good. It's in stock. We are together again. Together again. Just praising the Lord. We are together again. Together again. Just praising the Lord. We are together again. Yeah. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in stock. We are together again. Together again. Just praising the Lord. Something wonderful. Something good is going to happen. Something is in stock. We are together again. Together again. Just praising the Lord. Oh yes. Thank you, Lord. It's a wonderful time, Father. It's a special time, my God. The will of God in his or her life. Oh yes. Thank you, Lord. Nuka maglo na nyema we. Nuka maglo be. Ah.
Nuka maglo na nye mawe Doko maglo be Aho Akpe Akpe lo Akpe Akpe lo Akpe lo Doko maglo be Akpelo 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 Magla Oh 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 Nuka Magla Nanya Yasye Aye Akpelo 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 Aye Daka Maglabe Aho Aye 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 Que chacun lève ses mains maintenant Daka Maglobe Akpe Akpelo Akpe Akpelo Yeah Doko Maglobe Aye Akpe Dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant a manifesté sa puissance. Satan, toutes tes mauvaises œuvres, aujourd'hui ont pris fin. Dans le nom de Jésus-Christ, les enfants de Dieu seront dans la parole de Dieu. Ils marcheront selon la parole de Dieu. Ils vivront selon la parole de Dieu. Ils agiront selon la parole de Dieu. Ils vaincront dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est accomplie pour les enfants de Dieu. Elle est manifeste dans leur vie. Elle a bena. Car Jésus-Christ, si qui est assis à la droite du Père, et comme Maovio d'Adokima, a mis les enfants de Dieu en lui. Et ainsi donc tous les enfants de Dieu, eux aussi se retrouvent à la le droite Christ du Père. En Christ. Et pour cela, Satan ne peut les toucher. Le Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu est accompli aujourd'hui. Il est manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons le dimanche prochain et de là où nous sommes arrêtés aujourd'hui. Que Dieu soit avec toi. Levons tous nos saintes mains maintenant. Oh, yeah, no.
Et la grâce de Dieu et sa puissance reposeront sur toi à jamais. Il te prendra par le poignet et te conduira par des sentiers droits à cause de son grand nom. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne verras que du bonheur. Et tu verras le bonheur de l'éternel et sur la terre des vivants. Et c'est accompli pour toi. Cela est manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Yes, Christ. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Tu es important devant Dieu. Alors ne sois pas détruit. Marche selon la parole de Dieu. La bénédiction de l'Éternel sera déversée sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye, d'abord, mon Dieu. Bye bye.